Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Ghost Recon en compagnie d'Ishiku l'énervé. Et je trouve un nouveau nom. Le sniper énervé. Voilà. On espère que vous allez bien. Nous, ça va nickel. On fait ces missions avec bug et bonheur. Ah, mais je me souviens aussi d'ici. Oui, ça va aussi, ouais, je me rappelle. Ouais. C'est ça que je me suis posé là. Et on va se les faire déjà ceux de l'aéroport, là. Ouais. Bon, on l'a fait. On l'a fait lentement, hein, parce que sinon, si on va trouver tout, on se fait repérer par une sentinelle, quoi. Lentement ? T'es sûr de ouais. ça ? Un cadeau comme ça, ça se refuse pas. Les rebelles seraient sûrement très heureux de récupérer ce qu'il y a là-dedans. Cible abattue. Hélico de l'Unidad en patrouille, attention. Elle sort ta tête. Voilà. Attends, il y a un sniper qui me voit là-haut. Ouais, mais ça, c'est aussi mal fait, ça. Qu'est-ce que les trucs là-bas, ils vont être en alerte. Parce qu'ils ont des bons snipers, eux. Tu m'étonnes. Bon, j'arrive. Hop là. Il y a déjà plus de snipers chez eux. Non, mais... j'ai voulu retenter pour voir... voilà la flashbang, en fait. Ah bah attends, ils arrivent. C'est de là-bas, ça arrive. Oh, freeze, téléportation en même temps. Ah, pareil. Alors que je bougeais pas, moi. Donc. Joli tir. Allez, on fait le ménage et on avance. Voilà pourquoi on va la faire lentement, parce que sinon, les freeze. Bah, c'est ça, en fait. Bon, en plus, ça fait 3 jours, mon PC, il dort pas. Quel enfant. Pauvre. Ah, mais il va bien se reposer. Ah, il y a un document, là. Ouais, je l'ai pris. Je suis déjà de l'autre côté, moi. Ah oh, vas-y, moi... En fait, c'est bon, tout le monde est mort. Moi, je viens avec 3. Là, tout le monde est mort. Ok. Une médaille ici. Ouais. Question, est-ce que je prends l'avion ? Bah, on va le livrer, ouais. Prends un hélico, alors. Ça, on en a. Prends le gros. Ouais. Le gros blanc à côté. Je viens de... J'ai pris le dossier, au moins, comme ça, on est tranquille. Ouais, c'est bon, j'ai ramené les ressources. Voilà, j'ai rejoint la mission. Ça je vole vraiment bas, mais pas trop bas non plus. Ouh. Oh putain, je vais dépasser un avion de l'Unidad, l'hélicoptère de l'Unidad. Ah, je suis touché. Mayday, Mayday. Ici le SSV Normandie, je répète. Mayday. Ah, ok, d'accord. Ah. Allez, elle est bonne celle-là, putain. Et quoi? Bah, comment dire, tu vois la piste d'atterrissage? Ouais. Tu veux que je te dise c'est quoi la taille? 2 cm. Un terrain de foot, on va dire. D'accord. Ah, il me dessert juste à droite. Descends. Ok. Cours. Wow. Ouais, je suis dans... Attention, il y en a une deuxième. Oh la vache. On a plus d'hélico. C'est pas grave, le camp est ici. Ah, je m'en souviens genre... de celui-là. Genre, je me pose, il me détecte pas, mais je redis pas, il me détecte, quoi. Mais, puis même, l'autre attends. Truc, c'est que là, on arrive en hélicoptère, il y a une explosion juste à côté, là, ils réagissent pas, tu vois. Je suis en drone, attends. Ouais, vas-y. Okay, je m'infiltre de la base, parce qu'il n'y a pas de poids de snipe. Ici, celle-ci, non, t'as pas de chance. C'est vraiment ça, quoi. Pas de chance. Attends, j'ai une DCA devant moi. Ok, j'en ai déjà éliminé 2. Pareil, à la DCA et à l'avant-poste devant, et je suis près du poids aussi avec toi. Tu vois un endroit où t'as filtré, toi? Ah, j'en ai un. J'envoie une flashbang. Terminé pour lui. On a donné un coup de pied dans la fourmilière. Si. Après, il m'a détecté. Non, mais t'inquiète, de toute façon, j'étais déjà détecté aussi avant. Ah, pour moi. J'ai jeté une flashbang.
lance une flashbang. Dans le bâtiment, il n'y a plus personne où je suis. Ok, je suis en train de nettoyer le dernier bâtiment, là. Ouais, je vois ça. Et masse ressources. Voilà. Bon, ça s'est mieux passé que dans la bêta, parce que dans la bêta, on avait... On était mort plusieurs fois, surtout moi. Je me souviens même pas de la bêta d'ici. Mais si, on était cachés dans plein vers le point. Il y a plein de ressources ici. Ah putain. Ouais. Tant mieux. Par contre, ça c'est un peu concis, c'est que tu prends une ressource à 10 km, je l'entends comme si... T'étais à côté, ouais, pareil. Ouais. Les bruits de fond, ils ont pas réussi à les gérer. J'ai trouvé un ordinateur portable qui m'a l'air connecté au réseau. On va tenter le coup. Ok, on s'en tire bien. J'ai localisé un hélico logistique du cartel. On devrait peut-être voilà. L'amener au rebelle. Allez, on pirate ça. Téléchargement en cours. Je transfère le flux direct à Bowman. Voilà. Bowman, ici Nomad. J'envoie les archives d'un centre de transmission du cartel à Montuyoc. Si on a de la chance, le nom de l'instructeur en chef doit figurer là-dedans. Je reçois le flux. Un moment. Raté. Il n'y a rien là-dedans qui fasse référence à leur bille. C'est rapide. Par contre, je vois clair. Un truc intéressant. À peine reçu qu'elle dit c'est déjà raté. Une de leurs nouvelles recrues a foutu le camp il y a quelques jours. Et ils pensent qu'elle est toujours dans le secteur. Ah oui, la recrue. Ah oh, putain, je suis bugué. Même brièvement, il est possible qu'il ait rencontré. Fuck. Que ce déserteur peut l'identifier. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Chacun son tour. En fait, c'est la map qui est buggée, c'est même pas mon bonhomme. Ah non, moi aussi, d'ailleurs, c'était ça. Oh, Ruth, dans notre chat de gloire. T'essayes de me garer. Bah, je vais essayer de. Pendant que tu les repères, je vais essayer de. Oh, le bug. C'est passé quoi là ? Tas de bug. Bah, j'ai vu ça, tout, ils s'envolent. Les voitures en fait, et tout, ils s'envolent. Les véhicules étaient empalés dans un poteau électrique. Ah. Oh, putain, freeze. D'accord. Bon. Ok, bon, je vais essayer de m'infiltrer dans les maisons, à côté des bagnoles, pour pas que le Maurice l'attrape. Donc ça peut être une mission très rapide et une mission très chiante, hein, si on la rate en boucle. Ah oui, il y a trois ennemis ici. Oui, c'est pour ça que je me suis arrêté. J'avais même pas les cibler. Un petit groupe de cibles. Je te laisse t'en occuper. Enfin, je prends lui. Des trois ? Non, je peux faire les trois. Vas-y, bah fais-le. Fais-toi plaisir. Cible éliminée. Nickel. Je fais ça à l'arme parce que au sniper, on est un peu risqué. Je repère une équipe de recherche du cartel. C'est tac. Quoi le topo tac. On trouve le leader et on le capture. Je veux entendre ce qu'il sait sur le déserteur. Compris. Ok. Bon, je vais essayer de m'approcher à l'une des voitures hein, pour pas qu'il y aille. Je peux sniper. Je vais me rapprocher par précaution. Je vais te jeter une flashbang, au moins tu pourras aller shooter. Je m'occupe des 4 derrière et toi tu t'occupes des gars, des 2 autour de lui. Vas-y. Quand tu veux. 3, 2, 1, maintenant. Hey, je balance une flashbang. L'ennemi a battu. On nous a repéré, poursuivez-le. On s'est fait repérer. Chope-le. Putain! J'ai pas pu le choper en fait. T'étais pas à côté de lui? Si j'étais à côté, mais seulement il a pris la voiture de plus près de lui en fait. Fais gaffe, il y a l'unidad. On l'a pas tué la Bellico là? On l'entend parler. Non, c'est une erreur. T'es sérieux? Il a spawné au dernier moment. Non, il était bien là, mais... Ouais, mais moi, il m'a spawné au dernier moment, c'est mon mais le problème, c'est que voilà, d'habitude, ça se casse, et là... Bon, t'as vu la pneu? Ouais, bon. Tu l'as écrasé. Ok, il dit qu'il saute aussi ton véhicule comme ça, d'un coup, quoi. Ah, putain. Et flash ceux de devant, ceux derrière, ils sont morts dès que tu me lances en fait. Une équipe de recherche du cartel. Ça flash même le. Le leader et on le capture. Je veux entendre ce qu'il sait sur le déserteur. Le gars qu'on doit capturer. T'es prêt ? 3, 2, 1 maintenant. Putain, j'adore ton 3, 2, 1 maintenant alors. Putain, j'étais pas prêt. C'est parce qu'il me repérait.
Ah oui, ils restent là-bas, c'est des nouveaux, eux. Ah, t'es là ? Ouais. Ce fameux déserteur, qui c'est ? Pocosuevos, maricon de mierda, qui s'est enfui du camp d'entraînement. Le boss tient à ce qu'on en fasse un exemple pour empêcher les autres de l'imiter. On va le ramener au camp et laisser les autres recrues se défouler sur lui à la machette. Et il est passé où, votre foot de guerre ? On n'est pas encore certain, mais on se rapproche. Une autre équipe de recherche pense avoir trouvé sa trace. Elle est où, cette autre équipe ? Dis-moi et peut-être que je te laisserai en vie. Ok, ok, Chinga. On se rapproche du désert. Curiosité mortelle, succès déverrouillé. Pour tenter de le retrouver. Parce que tu les as tous interrogés, mon ami. Ouais. Voilà. Alors maintenant, on va chercher la deuxième équipe. Ah oui ! Je m'en souviens ! Ah ? Je te rappelle, même... Il se cachait et puis on s'est dépassé par derrière et tout. Il y avait l'unidad qui est venue faire chier. Enfin, c'était l'apocalypse. Je me rappellerai quand je serai sur le lieu. Là. Parce que là, franchement... J'ai des pierres qui sont bloquées dans le coffre du mur que t'as traversé. À part de quoi. Sérieux ? Je le vois pas, oui. Moi. Ah, mais j'ai des pierres. Non. Juste dedans, là, il y a un gros caillou. Regarde, je bouge la pierre même. Elle bouge toute seule. Regarde, je tire dans la pierre, que ça bouge. Ah, moi, il n'y a pas de... Il n'y a rien, moi. Ah, je l'ai fait ressortir. Oh, je l'ai fait sortir. Je vais sortir le caillou, regarde. De mon point de vue, t'as l'air d'un trésor qui tire dans le vide. Oh, un peu de respect. Comment tu vas où, là ? Bah, la mission. Ça sera pas les couilles. Ah, le bug du silencieux, quoi. Quand tu tires, ça fait ces bruits. Ah, bah, mon cieux, j'entends le bruit, hein, mais avec le silencieux, quoi. J'attends que le sniper arrive. Vas-y, moi, je me mets derrière. Mais avant, ça te va. Voilà, sniper mort. Okay, ça et ça s'est pas entendu. Niveau 21. Oh. Ça en fait 5. Toi, mon gars, tu vas pas voir ton cadavre. Putain, le bruit. Bien entendu. Putain, le truc. Ça, j'ai envie de tous les zigouer pour que tu chopes le gars, quoi. Silencio, Marcio. Je l'ai. Ouais, j'ai vu. Vas-y, t'as le champ libre. Dans la voiture, ça va là, ouais. Je garde un visu sur eux. T'as qu'à faire le pilote. Ouais. Pourquoi c'est pas lui que tu mets dans le coffre ? Ah ouais ? Ah c'est con ? Ah je sais pas si on peut les mettre dans le coffre. Mais c'est tous les otages qu'on met dans le coffre, pas les kidnappers, quoi, parce que c'est pas très... Non, ne ramenez pas là-bas, par pitié ! Parce que les gars, s'ils veulent, ils peuvent se barrer, quoi, le temps qu'ils sortent du coffre. Attends, viens. Ah merde, on est poursuivi en plus. Ouais, ça c'est mal fait par contre. Là c'est mal fait. Je continue tout droit. Ouais, bah c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Ah, je comprends mieux alors. Pas, on va bientôt te tuer, je pense. J'aurais dû partir. Alors, à ce moment-là. Merde, j'aurais pas dû mettre dans le coffre. Si je m'arrête, tu sais changer vite ou pas ? Vas-y. Fait défoncer le cul quand même, donc... Fonce. Je suis mort. Putain, c'est un truc de fou. Encore que je te demande de venir devant et pas... Mais attends, c'était pas comme ça dans la bêta, on prenait le gars discretos si on n'était pas poursuivi. Mais c'est la merde, là. Je suis au point de rendez-vous, mais ça va être la merde. Je fais comment pour me débarrasser des autres ? Tu shootes ! C'est bon, j'extrais. On va les couilles. Je suis rentré dans le bâtiment, j'extrais. C'est bon. Ah putain. Ah, t'étais toujours là. Ah bah oui, j'ai de raise. Tu veux échapper au cartel, Emilio ? Je peux t'aider à disparaître, mais j'ai besoin d'un service. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le type qui dirige le camp ? Carajo, je sais pas. C'est un gringo, costaud, une sorte de feu dans le regard. Es malo, putain, même les gardes ont peur de lui. Il a un nom ? Un des autres instructeurs l'appelle
Bukhart. Attends, Karl Bukhart? Quoi, tu connais ce type? Il y avait un sergent Bukhart dans les Rangers quand je servais en Irak en 2003. On a fait quelques missions ensemble. Merde. Rejoins ton équipe. Je contacte l'Anglais pour voir ce que je peux trouver sur ce Bukhart. Eh ben voilà, les petits gens, c'est ici qu'on va se quitter sous l'épave de l'hélicoptère. Oh putain, tous les cadavres. Ah bah oui. On vous dit donc à la prochaine pour la suite et portez-vous bien, bye bye. Bye bye.